Plus le tagging, il est plus important. Est-ce qu'il check à droite Oh la dinguerie. Oh bah là, il shit par contre. Là, il a une clé USB, le cousin. Là, j'ai pas d'explication. Là, là, les gars, là, là, je veux bien, mais là, j'ai pas d'explication. Vous voulez échanger vos skins Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalexSGO pour avoir jusqu'à 5$ dollars et 35% de bonus. On va débuter euh, l'analyse de donc. On va se mettre vraiment sur sa POV. Et uniquement regarder un peu ses positionnements, ses réactions, son crosshair placement, un petit peu tout. Euh, contre euh, donc, euh, Phase. Et c'est sur Mirage. C'est vous qui avez choisi euh, euh, la carte. Et l'équipe. Donc euh, on va regarder ça avec attention. C'est parti. On peut voir déjà que ça accélère au niveau du radar. On fait une split A. Et euh, il passe clairement devant, il est en entry. Hein. Vous voyez, par exemple, ne serait-ce que ce genre de move, c'est très intéressant. Il push en A. Et là, par exemple, il prend ne serait-ce qu'une flash, mais il est déjà voilà, euh, au courant qu'il faut qu'il se mette à l'abri à droite, en fait. Regardez. Et il bouge plus. Et après, il se fait arracher la gueule. Mais c'est vraiment que vous compreniez que, même en étant blanc, il continue de prendre de l'espace, il se met vite en sécurité. Et ça, euh, déjà, c'est des points euh, qu'il faut souligner. On est en full écho maintenant, on a perdu le pistole. On est, au, on est au Glock. On va juste espérer exploser sur le BPB. Euh, en général, c'est Carigan le fixe B chez FaZe. Et voilà, juste on explose, on y va au plus près. Et hop, on y va. Voilà, il se fait péter la gueule. On passe au round suivant. Et le round suivant, une 41. Euh, ça, va, ça va envoyer direct de la CPL. Là. Et là, voilà, lui, il, il, il va directement se moquer euh, au niveau de la jungle. Ah, bah c'est une 32 alors c'est pas une 41 c'est une 32 voilà hop une 35 une 33 et oh, boum une 32 on déboule voilà, c'est les timings à respecter euh, pour ceux qui veulent connaître un petit peu le délai des smokes le délai des molos, euh, le délai de la prise middle en gros les, les, les CT voilà, c'est soit une 41 sur une déclic c'est une 32 c'est sur une exec voilà, c'est les, les timings un peu euh, cohérents et encore une fois on le voit il est euh, entry il passe réellement devant euh, donc c'est ce qui est encore plus choquant quand on voit son niveau voilà, et il y va, et il y va, il est blanc, et il passe devant Pff, Ouais d'accord, il vient d'arracher la tête de Rein, ça va très vite Et regardez donc, lui vraiment le but c'est qu'il prenne de l'espace euh, Il a une responsabilité de rush de vider la gauche Et il va vite se mettre en sécurité encore une fois après au niveau du spawn Et très certainement qu'il va push hein. voilà. ah, Il fait le move, il est attendu et il se fait punir Un pour un, et l'espace est pris, euh, rien d'autre à dire Ah, il drop du stuff et il passe devant avec le jiggle. Et si vous remarquez bien, quand il prend son couteau, son couteau il a un name tag. Son couteau il s'appelle Zinedine Zivu. C'est marrant. Moi ça m'a fait marrer. Ah, il essaye de revenge, mais euh, le body block là c'est compliqué. Là on décale les lignes petit à petit. Donc là c'est normal par exemple qu'il qu push pas. Hein. Il est au jiggle, il va pas se jeter quoi. Il vraiment fait, il fait des décales. Donc là, on est sur euh, round armée encore une fois. Euh, donc deuxième round armée. Et euh, on va prendre le mid. Enfin, on va juste prendre le mid. Et pareil, on attend. 1.41. Voilà, et là, c'est le timing pour aller décaler le middle. Après avoir smoké euh, connector et window. Et crosser placement, lui, la responsabilité, c'est sa, sa corne. D'accord. Je l'ai même pas vu, moi. Quelle quel, quel dinguerie, là, il vient de mettre. Il a l'info là, c'est pas possible. Enfin, il a l'info à mon avis de son coéquipier en bas quoi. Vous le voyez vous là, window les gars Là vous voyez là Parce que là il a checké un peu là. Vous voyez une demi seconde il check. Moi je le vois pas. Hein. Là vous voyez il a checké et je crois il repart après il se dit ah putain attends peut-être j'ai vu un bras. Et là, il met un spray euh, vraiment contrôle de Zinzin et il tue. Et regardez Frozen pendant ce temps-là, il est en train de tuer son coéquipier. Donc, à mon avis, euh, peut-être il se parle aussi à ce moment-là. Moi, je le vois pas. C'est l'info de son pote, je pense. Et voilà, dès qu'il sent que ça sent pas bon, voilà. dès qu'il sent qu'il y a du danger, il se met très vite en sécurité. Voilà. Et après, c'est cross-replacement, il décale ligne par ligne. Il se regroupe avec ses potes. Et là encore, on voyait, hein, c'était une première ligne. Hein. C'était une première ligne avec euh, Pour aller en B Et il a eu l'intention de revenge quand même Regardez Là il est un peu en retard sur les mecs short Son pote short tombe Tout de suite il prend la K pour aller prendre l'espace Vous voyez Et il a totalement confiance en son coéquipier euh, Bah c'est Shiro Qui lui garde la gauche Bon Shiro là on l'entend Il rate un, un shot d'AWAP Sinon il doit le tuer Et euh... Et euh, bon bah il tombe, hein, tant pis. Mais euh, on voit déjà sa première intention, c'est d'aller revenge euh, sur son placement, son positionnement. Euh, pour l'instant c'est cohérent. Et là c'est PLA, une 32 encore une fois. Pas du jeu, euh, pas du jeu euh, ultra sophistiqué chez Spirit. Euh, beaucoup de, de simplicité dedans et euh, ça joue tranquille. Donc là voilà on garde le A en bas, on se positionne pour mettre les, les stuff et on passe euh, et on passe à une 32 pour les smokes. Là vous voyez on, on, tout ça c'est délai pourquoi parce qu'il y a un kill qui est, qui est parti au niveau de l'apart plus là on entend une smoke popper en bas donc euh, bah, on attend juste on attend, on patiente et on délai encore de 15 secondes voilà. peut-être on va même changer de plan, euh, retour middle euh, ou pas. Ouais donc là il y a un changement de plan, très certainement une déclic. Et juste exploser. Mais c'est pas le bon pari parce qu'ils sont 3 en A. Hein. De Kidok, merci pour le sub. Et il passe devant et il décale millimètre par millimètre, ligne par ligne. Qu'on soit bien clair, tout le temps c'est lui qui passe devant. C'est une folie, hein. de, en général, vraiment, depuis... Là, ça fait quand même, je pense, 8-9 ans maintenant dans CS, que tous les star players, tous les mecs qui score, qui ont vraiment un gros firepower, ils sont deuxième, troisième de ligne, pour aller clutcher, pour finir les rounds, et on met, entre guillemets, des pigeons devant eux. Et là, chez Spirit, c'est totalement euh, différent, c'est genre, ils passent devant. Donc là, on sait qu'il y a un mec peut-être en dessous, on attend vraiment, en vide. Et voilà, oh là 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 là, ce qu'il vient de coller à Robs. Et là, regardez, toujours la première intention. Il y a, il a toujours deux phénomènes qui se passent quand il, quand il se déplace. C'est le premier phénomène, donc c'est crosser placement, vas-y, il est agressif, il est là, tranchant, il a envie d'aller à la bagarre. Et le deuxième, c'est tout le temps de se mettre en sécurité derrière. Et là, c'est ce qu'on voit. Là, il sort, vu que c'est une déclic, il n'a pas de chemin de rush. Quand on a vu tout à l'heure la CPL, il a tout de suite rushé à gauche et il est allé BP. C'est normal parce qu'il fait confiance à ses coéquipiers qui lui gardent la droite et qui lui mettent des flash facto dans son dos, par exemple. Là, c'est une déclic. Donc, il doit vider un peu tous les espaces. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Enfin, il, est, il rentre dans des crossfires. Donc là, on vide bien la gauche. On, on vide bien la droite. Regardez le temps de réaction. Parce que là, il le sait pas hein, que le mec est sandwich. Boom. Deux balles et là, hop je, je vide cette ligne là, je stoppe, je me mets en sécurité, je maintenant les espaces, donc je vais bloquer les espaces avec des smokes. Voilà, tout de suite on voit que non, non tranquille. Je smoke. Non c'est bon, j'ai mollo. Ok bah c'est bon, tranquille. Attends, je vais smoker le connecteur là, tout ça là. Et là, on voit que ça sent pas bon. Vous voyez donc dans ses premières intentions, il voulait ce fait. Donc là c'est la com, c'est la panique. C'est, euh, regardez, mort. Euh, Mort au niveau du, du sandwich. Là, il veut vider, il veut smoke. Ses potes, ils disent Non, non, non t'inquiète, je vais mollo. Ok, bon, bah, je smokerai le connector. Sauf qu'à ce moment-là, il veut moquer le connector. Mais là, son pote se fait décaler par le MP9. Donc là, première intention, revenge. Maintenant, on est en 3v3 et il y a des espaces. Là, maintenant, faut aller revenge. Et il revient toujours à son truc un peu de, de bastonnade. Donc là, il fait moins 1. Il sait qu'il y en a un là. Et il plante pour le CT, il veut bait. Première intention, bagarre. Vraiment, euh... il est instinctif ce gamin. Qu'est-ce qu'il est. Il est simple à regarder jouer, mais ça va à une vitesse, c'est affolant. C'est vraiment affolant. Et là, pareil, toujours dans la déclic. C'est le jeu russe, hein. Donc le jeu russe, les gars, c'est très. c'est pas que c'est très lent, c'est surtout très silencieux en fait. C'est très silencieux et explosif, les, les Russes. C'est pas genre lent de ouf. Donc là, Karrigan, il vient de péter la gueule à quelqu'un en B. Il sait qu'il y a une smoke sur sa gauche. Et vous voyez, il fait totalement confiance à la gauche. C'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est que dans le jeu d'équipe, t'es pas là à checker tout euh, comme c'est sur Faceit et tout machin. C'est pour ça, moi, enfin, je me compare pas, mais moi maintenant, je craque sur Faceit parce que je meurs tout le temps de dos. Parce que j'ai toujours ces réflexes-là de d'aller à droite en pensant que ma gauche, elle est safe. Euh, je vais à gauche en pensant que ma droite elle est safe. Et tout le temps je me fais surprendre comme ça. quoi Et je dis ça bait, ça bait, ça bait. C'est juste que voilà c'est compliqué. Et là vous voyez, il avance tranquille, ligne par ligne. Encore une fois, c'est lui qui ouvre les lignes. Hein. Là l'intention c'est split B. On est en infériorité numérique 4v5. Euh... Attends, mais je... qu'est-ce que c'est que cette intuition là On a une info là Je comprends pas. Là il vide j'ai l'impression qu'il se parle. On est boosté de la window Je comprends pas là. Je, je comprends pas pourquoi on check là. Alors attendez. Je regarde où est Robs dans le dans le HUD, là, dans le radar. Oh, il est là depuis tout à l'heure. Hein. Rops il est dans le P2 depuis tout à l'heure, il a pas bougé. Ouais, il est dans le P2 et là il va checker. C'est une folie, je vous jure. Là, là, là c'est une folie de checker ça. Enfin, de checker, enfin de... vous voyez ce que je veux dire D'être dans cette situation et de te dire. Euh... Attends, euh, je regarde. Et là, il défouraille euh, Robs et boum, première intention. Après, bah, on prend les espaces, on prend les espaces, on prend les espaces. On, on attend. Là, il met un temps d'arrêt pour que ses coéquipiers recollent avec lui. Hein, je sais pas si vous, vous, vous remarquez, mais regardez. Là, Il prend de l'espace, il prend de l'espace, il prend de l'espace. Il stoppe. Vous voyez, il s'isole il de la droite. Vous voyez, toute la droite, il est safe. Et il regarde que la gauche. Donc, vous voyez, dans son positionnement, sa manière de se déplacer, c'est ce que je vous dis quand je, je fais des face Je vois tout de suite quand quelqu'un, c'est un noob. C'est que les mecs, ils ont des chemins de rush. Ils sont en plein milieu de tout. Là, on voit lui que donc, il limite un maximum ses zones à risque. Il limite un maximum le danger qui peut l'entourer. C'est dans ses zones de placement, dans ses zones de déplacement. Il longe la droite pour fermer la ligne à droite et ouvrir la ligne à gauche. Comme ça, il est ouvert que de un quart d'écran. Vous voyez, il a qu'un quart d'écran à regarder. Il prend mollo, il recule, il se met à ledge de la Molo. puis Il a vu un pixel passer d'un mec qui saute. Il essaye un spray. Tout de suite, première intention, grenade. Vous voyez, il est instinctif. Hein. Il n'y a pas d'hésitation. Est-ce que je le pique Est-ce que je le pique pas Est-ce que je mollo la smoke, Je décale Est-ce que je parle à mes potes Sa première intention, c'est la bagarre. Hein. Ça se voit. Hein. Ça se voit. Hein. Il prend les espaces. Il a bloqué. Il s'est fait mollo. Il garde la ligne. Il le tue. Grenade instance. Je reprends mon headshot. Bam. Je vise. C'est. Ce mec est un tueur. Ah, et là, c'est IM, 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 Et il suit. Et il suit. Vous voyez il... il close le gap. Il prend l'espace. Il prend l'espace. Et encore une fois, regardez. Il est avec son coéquipier. Il ne veut pas s'isoler de son coéquipier. Regardez là. Il va un peu à droite. Il dit Hop, 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 hop. On est un peu trop loin là, monsieur. Faut que je me revienne avec mon coéquipier. Je reviens à gauche. Tout de suite, je sers à gauche, je sers à gauche, je sers à gauche avec mon pote. Et là, maintenant, tranquille. Les espaces sont pris par les mecs qui sont à part B et on plante la bombe. Voilà. Et là, il sait que Kitchen, il est safe. Regardez le radar. Euh, on a très certainement une info ou quoi que ce soit. Et voilà, petite ligne avec son pote. Première intention, la bagarre. Lui, c'est lui, c'est la bagarre lui. C'est ça qui est totalement fou avec ce joueur quoi, c'est... Il a un très bon crosshair placement, il a une manière de se déplacer qui est instinctive. Il longe bien les murs, etc. Je vous montrerai peut-être un jour un noob qui se déplace et vous comprendrez les erreurs qu'il y a dans vos déplacements en fait. Ils ont l'air d'affectionner ce... Ce 1.32 là. Ce 1.32 euh, pas là Voilà. On prend, on vide. Voilà, on vide le contact. On lui fait des flashs. Toute la droite et... Regardez, est... Regardez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, c'est la CPL. Donc là, il y a flash au niveau du contact. Il vide la cuvette. Il y a mollo au niveau du sandwich. Donc il a pas regardé sandwich. Il y a les smokes qui vont popper plus, entre guillemets, Chiro derrière lui, qui doit avoir la ligne sur le stairs. Donc il dit, toute ma droite, elle est safe. Moi, c'est la guerre à gauche. Première intention, à gauche. Voilà. Il garde. Regardez, tout de suite. c'est ça, ça dure une microseconde. Hein Mais tous ces détails, je vous jure que... C'est super important à haut niveau. Voilà, regardez. Il y a un danger en bas. Je vide en bas. Il y a un danger potentiellement en haut. Je vide en haut. Il y, y a un potentiel danger ici. Je garde ce danger là pendant une seconde s'il faut. La smoke pop, c'est bon. Je peux lâcher cette ligne. Je vide là, c'est bon, c'est fini. Je vais ailleurs. Je garde, je garde le mec ici. Si, si il accroche la smoke. Ah! J'ai vu un petit quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Il est déjà sur la tête. Hein. Il est déjà sur la tête, lui. Lui, il se pose pas de questions. Il y a un bout de coude qui dépasse. Il est déjà sur la tête. Hein. Il est pas sur les couilles. Moi je tire là moi. Moi, 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 moi je tire là, moi. Je ne tire pas ici, moi. C'est une demi-seconde, ça dure. Une demi-seconde. Vraiment ça, ça se compte en dixième de seconde Ses temps de réaction son, son instinctivité Elle est là Il a un instinct primaire d'assassin Voilà Il a fait un moins 3 de ouf Attends attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il vient de faire là Qu'est-ce qu'il vient de faire Tac regarde boum Hop je t'ai vu T'es mort Là Là il a vu des petites balles là Là regardez on a vu des petites balles juste avant ça compte hein, ces détails et dites-vous que là c'est le bordel hein. là c'est CPLA c'est à Katowice ça crie dans tous les sens il y a le TS qui part en mode mort euh, mort triple mort triple euh, jungle 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 ça se prête ah, mort triple mort triple mort triple là regardez bien au niveau de la jungle on voit des balles des, des petites billes qui, qui, qui se qui, qui wallent là là vous les voyez là juste avant regardez Là, on les voit. Qu'est-ce qu'il fait Une demi-seconde. Allez, hop, je te spray ta merde dedans. Moins deux. Là, la grenade pop. Moins trois. Ça, il y a une seconde, il a fait trois kills à trois endroits différents de la map avec des smokes, des flashs, des molos, des grenades, le team speak, tout ça. La, 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 la concentration. C'est ça le très 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 haut niveau. Parce que je pourrais faire ça sur d'autres joueurs, les gars. C'est pas donc qui est une exception ultime. Sachez que des Ibou, des Simple des Rops, vraiment des Magisk etc. Tous ces grands joueurs de CS, euh, ce, ce, ils font un peu la même chose quand même. C'est juste pour vous montrer aussi la différence qu'il y a entre vous et eux. C'est euh, ces temps de réaction, ce, cette instinctivité euh, qu'il y a à, à se déplacer tout de suite. Et regardez, tout de suite, on se met en sécurité. Là on se prend dans la smoke Voilà et on se met euh, en sécurité Là il va cross hein. Pourquoi il va cross Parce que là 5v2 à haut niveau Tu sais que ça save C'est pas Oh putain il a un wallack Il sait qu'il y a rien de jungle C'est les noobs ils aiment bien des trucs comme ça Non les gars 5v2 En moins de 2 secondes sur le BPA euh, Smoke en A Smoke jungle Smoke machin Les mecs ils savent Donc tout de suite tu pars à la chasse Voilà Putain j'allais faire tab pour voir l'argent qu'ils ont Mais euh, toi ils ont un peu d'argent Ils plantent la bombe Ils vont avoir un petit bonus Sauf que là, on chasse plus. Là, on veut plus chasser. On sait qu'il y en a un mec P2. On va le mollo. On se prépare à la sortie. Il n'y a rien à droite. C'est bon. Mon pote à la droite. Vous voyez C'est même là, première intention. On le voit. Il garde la ligne au cas où le mec veut sortir. Il veut support son pote, quoi. C'est. Ça envoie. Ça envoie. Donc là, smoke window. Là, l'argent, ça doit pas être la folie chez FaZe. Ouais, donc ils le savent et on voit tout de suite qu'ils changent un petit peu de. Ils changent un peu de rythme. Ils changent leur contrôle de map, ils changent leur exec, etc. Donc là, ils sont en contrôle. Ils sont Ce qu'on appelle en contrôle punition. Là, comme vous pouvez voir, ils sont 1-2-1-1. Voilà, un, un Aparta, un Panta, deux Mid et un Underpass qui arrive. Voilà, ces petits contrôles Mid et chacun garde un peu ses zones. Voilà. Et regardez son couteau, il s'appelle Zinedine Ziou. non. Il y va en premier en plus. Ah ouais, ouais, clairement, il y va en premier. Mais attention, il y va en premier sur du jeu, sur du jeu millimétré. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. D'accord, c'est il y va pas en premier avec Jean-Michel Faceit c'est Jean-Michel matchmaking et Jean-Michel euh, wingman. Il va premier avec des, des stats, enfin des strats bien élaborés. Euh, t'as pas peur de passer devant quand t'es en équipe en général. tu élabores des strats, tu sais que la, la flash elle est pixel, la phase de jeu tu l'as préparé en prac tu l'as préparé en offi, tu l'as préparé en strat time, tu l'as refait 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 refait. Tu sais que t'as pas peur en fait parce que la mollo sera pas faite, la, la flash sera pas faite, etc. Surtout les Russes, euh, Team Spirit, etc. C'est une équipe qui joue énormément, énormément tactiquement millimétré. Voilà, c'est tactiquement millimétré. Là-bas, c'est l'usine. Et donc, euh, les molos, les HE, etc., tu verras très rarement une équipe russe fail ce genre de truc. Très, très rarement. Voilà. Les français ça arrive tu vois par exemple Parce que euh, on est un peu négligent On joue beaucoup au talent Les suédois avant il y avait aussi pas mal de ça Tu sais les JW, les Crims, les Flusha, les Olof Tous ces mecs là ils rataient un peu des smokes, des flashs et tout Parce que ça jouait beaucoup au talent à, 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 à l'intuition individuelle Tu vois les get rides right, ce genre de mecs Là maintenant le jeu de ces gens là C'est plus du tout le même que celui qu'il y avait avant Et les individualités euh, c'est pas les mêmes Tu vois c'est plus les mêmes Il le... y a eu une évolution Et là regardez on est pixel, 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 pixel hein. Il avance, euh, voilà. Maintenant, il va décaler. Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on n'est pas Voilà, on vit de la droite. Donc, c'est la même chose. On voit bien qu'il a, il a, il a une mémoire, quand même. Il y a une mémoire musculaire dans ses mouvements. On a eu trois fois la phase de jeu en A. Les trois fois, il a chemin de rush à gauche. OK Parce qu'il y a l'exec derrière. Donc, on voit qu'il y a une totale confiance dans ce jeu-là. Et quand on est en déclic, donc là, on est en déclic, tu vois, on y va en slow, euh, on décale ligne par ligne. On voit que son chemin de rush, c'est plus pareil. Il décale par la droite. Regardez encore une fois, on ferme la ligne à droite pour ne pas s'exposer à une ligne jungle, à une ligne stairs, euh, etc. Et là, tout de suite, il va vider le sandwich. Hop Et maintenant, il se remet en sécurité. voyez, ouais, il se remet en sécurité pour aller jouer le duel. Pour aller jouer le duel en haut. Le problème, là, c'est que je pense que c'est Rain en A. Et il euh, y, y a un sound queue, en fait. Là, la Molo, elle crame un peu. Euh, donc, regarde. Bon, Molo part. Reign il dit hop 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 je décalera tout de suite Avant de me faire over rush Parce qu'ils connaissent en fait que Quand il y a une mollo qui part c'est que t'es déjà sorti Tu mollo pas depuis la penta en fait Tu mollo quand t'as déjà vidé un peu les premiers contacts à très haut niveau c'est comme ça Donc là Reign il le sait et pour surprendre ben voilà il va, il va arracher Il va arracher donc mais sauf qu'il y a Zontix qui est en haut qui a, qui a déjà fait le revenge Donc c'est du 1 pour 1 vas-y c'est ok Et là encore une fois Boum on change de rythme et on va en déclic en B. On passe devant la smoke. Hop Merci, au revoir. Karigan qui arrivera à le faire tomber. Hein. Il faille un peu son spray, mais vous voyez qu'il n'a pas peur de passer devant. Allez, 6 à 6, on passe au pistolet. et là il court. Oh ouais, ah ouais, et là il court. Hein, je me rappelle très bien de ça. Là, le mec, euh, il n'est pas là pour blaguer. Regardez. Il va en faire un petit quatrième. Que des one-tap. Hein. Ça vise la tête là, monsieur. Il a pété la gueule de tout le monde. Maintenant on sait que le cinquième il est là-bas et on va vite le renfermer. Voilà et on renferme la map, pour renferme la map, on renferme la map pour pas lui laisser les espaces. Le mec est descendu, il le dit et il est en plein milieu, il le joue et il va le jouer. 4K, 4K pistoles, première intention, les headshots. On peut, on peut voir encore une fois que c ça va vite quoi. La enfin la précision, il a un tracking, il a un super tracking, regardez. Headshot, headshot. Il a plus de balles, il s'en fout. Il y retourne. One tap. Voilà, il a fait 3 kills, 3 headshots. Avec euh, quoi 14 14, 15 balles. 15 balles, 3 kills. Un peu, de fail, un peu de fail entre guillemets. Et voilà. Et là, hop, première intention. On l'a vu. Headshot, headshot, headshot. Voilà, il va le chercher. Merci à revoir. Ça va vite, ça. Ça va très très vite. Allez, on va voir. Non, parce que là, là on me pose la question dans le chat, euh, est-ce que tu as regardé ces 46 kills contre Sacha Alors moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, regarder des POV de joueurs pro qui ratatinent tout le monde en face-hit et en FPL, quand il y a aucune rigueur de jeu, aucune discipline, etc., ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime regarder le jeu professionnel comme ça pour vous expliquer pourquoi, du comment, ils arrachent tout le monde. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va faire 30 kills en match pro, pour moi, c'est significatif. Quelqu'un qui va faire 50 kills... Un pro qui fait 50 kills en match euh, matchmaking ou face it, même de haut niveau, même FPL, en fait en FPL, les gens n'ont pas la rigueur qu'ils ont en match pro. Tu te doutes bien que Simple, ZywOo, etc., quand ils jouent en FPL, vas-y ils Oublient une petite flash, c'est pas ils oublient, euh, c'est pas ils oublient, euh, ils ont perdu le repère, c'est ils oublient de la mettre, ils ont pas envie de la mettre, c'est trop chiant, tu vois. Vas-y, je te flash, allez, je te smoke. Attends, 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 attends. Euh, non, ils y vont, ils vont faire la guerre, tu vois. S'ils sont là pour aller s'amuser, en fait. Donc, le but, c'est de faire un foot à, avec les potes et on et tu vois, on essaie de mettre des retournées de, du milieu de terrain et des, et des lobes et des trucs un peu stylés. Donc, là, ils jouent beaucoup les duels en FPL, les gens, ils sont en ligne ouverte, ils, ils font pas attention. Les joueurs pros, les gros, gros joueurs pros, les les mecs qui tryhardent la FPL, c'est ceux qui sont en dessous, qui sont pas connus, qui eux veulent grinder. Ils donnent tout contre des joueurs pro mais les joueurs, joueurs pro ils viennent en, en claquette en fait. Donc moi, analyser des games comme ça, ça ne m'intéresse pas. J'aime te montrer que lui, c'est une anomalie, alors qu'en face, les mecs, c'est des dégénérés et ils jouent le haut niveau. On parle de FaZe, là, les gars. Hein ils jouent contre FaZe, là. Hein ils jouent contre Robs, le meilleur IM du monde. Ils jouent contre Rain, ils jouent contre Frozen, ils jouent contre Kerrigan. Ils jouent pas contre Pampan, QQ euh, du FaceIt, hein. Là, les headshots qui fout, c'est en une demi-seconde. Alors que les mecs en face, ils ont une demi-seconde de temps de réaction aussi. C'est juste que lui, il a un, il a un milli, milli, dessus de, de supplément, tu vois. Lui, c'est salade, tomate, oignon, frère. C'est ça, en fait, le problème. Alors, regarde, première intention, c'est la guerre. En terreau, c'est entry. En CT, c'est je vous vide les espaces. Il clear le mid, hop, il clear l'underpass. Il a plus rien. Je saute au cas où. Je reclear l'underpass au cas où je me suis fait timer. Voilà. Je recule encore une fois l'underpass, y a rien. Ça sent pas bon tout ça. Voilà, il fait des glace glaces. Ça pue la merde. Allez, je rotate très vite en B parce que là mes potes ça pue en B. Voilà, comme ça il est en face rotation. Donc je vois qu'au niveau de ses mouvements il gère plutôt pas mal. Et là il passe devant son pote. Hein. S'en bat les couilles. Hein. Voilà, regarde, il passe devant son pote. Sa première intention c'est la guerre. Là, moi je vous cache pas que c'est une erreur. Moi, moi, moi je vous cache pas que c'est une erreur, tu vois. Il reprend tout seul, enfin pas, il reprend tout seul parce qu'ils sont avec son pote, mais il a vraiment l'intention d'aller faire la guerre quoi. Et regarde en face, ça pardonne pas non plus. Hein. C'est pas des noobs en face. On a pris les espaces. Allez hop, on va te bloquer. Voilà, Broki Karigan qui font moins d'eux dans la corne. Ça va vite aussi en face. Mais l'intention, elle est là. Tu sens que le petit, veut aller faire la guerre quoi. Là, on essaye vite de prendre une petite info. À droite, à gauche, grenade, machin. Encore une fois, son intention, c'est de faire la guerre. Et il est puni. Ça fait déjà deux fois qu'il est puni, tu vois. Et vous voyez, à chaque fois qu'on critique Apex, qui décale dans les smokes, qui fait des hero plays, etc. Ce qu'il a fait short le round d'avant, c'est exactement ce que fait Apex euh, euh, les trois quarts du temps. Voilà. Donc, des fois, ça paye, des fois, ça paye pas. Et là, donc, on voit encore une fois que le round d'avant, il veut aller faire la guerre connector. Et ça paye pas. En fait, il faut bien comprendre qu'à haut niveau, tu peux pas. Insulter un mec quand ça marche pas et lui sucer la queue quand, quand ça marche bien Parce que donc on a vu qu'il a fait la différence sur le side terreau plusieurs fois Là en CT il s'est fait un peu euh, Il s'est fait un peu ratatiner deux trois fois tu vois déjà Mais il va continuer de le faire en fait Et quand ça va payer Bah ça va être bankable pour l'équipe Voilà Là pareil hein. Toujours intention de jouer agressif Là, il sent que c'est la guerre un peu middle que c'est déjà passé. Et voilà, hein, il garde les duels au niveau du headshot. Et là, on a un flash pick. On a un flash pick. Il y va, il repart. Vu qu'il n'y a personne qui a pris l'espace. On y retourne. Ce qu'on a peur. Parce que vraiment, lui, Connector, il est vraiment super agressif. Hein. Il swing à fond. Mais non, je suis pas que... je suis pas d'accord, Kenzo. Tu... tu vois, en fait. La... Je vais vous lire le message de Kenzo, peut-être que vous ne le, vous le voyez pas. Franchement, il est hyper fort, il n'y a rien à dire, mais des fois, il faut qu'il soit un peu plus rigoureux et discipliné. En fait, déjà, il est rigoureux et il est discipliné. Ça se voit dans son positionnement, ça se voit sur sa gestion du stuff. Il est rigoureux et il est discipliné. Ce que tu veux lui enlever, en fait, c'est que tu veux qu'il soit plus... Euh, qu'il gère mieux son rythme, qu'il allie la passivité et l'agressivité. C'est ça plutôt que tu veux qu'il soit. Parce que sa discipline, il l'a. Son crosshair placement, ses décales, quand il vide les zones, c'est ça de la discipline. C'est quand tu n'es pas, tu n'es pas naïf. d'aucun coin, c'est quand tu n'oublies pas ta mollo, ta smoke, te flash, de, de check in corner. C'est ça de la rigueur, c'est ça de la discipline. D'accord. Toi, ce que tu veux dire, c'est plutôt, ouais, des fois il faudrait peut-être que euh, il calme un peu le jeu, tu vois, hein qu'il joue un peu plus passif. Mais non, son ADN, c'est d'être agressif, qu'il reste agressif. Tu vas pas dire à KennyS d'arrêter d'être agressif. Kenyes, on lui a dit d'arrêter d'être agressif. Finito, fin de carrière. Voilà, on a détruit Kenyes. Scrim, on lui a dit, eh, frère, faut, faut que tu arrêtes de, de jouer les duels. Hop, Finito, euh, fin de carrière. Tu sais, des mecs comme Scream, etc. Il y a plein de gens, en fait, où avant, les gens voulaient qu'ils rentrent dans des moules, on voulait qu'ils rentrent dans un système. On les a forcés à jouer un style de jeu qu'ils n'avaient pas. Et on, on leur a fait beaucoup de mal. On leur a enlevé leur confiance. Euh, je le, je, là, je le sais, moi, en, en ayant pris de la maturité. Parce que même moi, j'étais comme toi, tu vois. En tant que leader in-game, j'avais des joueurs. Et, je disais, et moi, j'avais un style de CS, tu vois. Je disais, non, 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 recule, 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 recule. Et lui, il voulait redécaler, tu vois. Et à part l'enlever de la confiance à un joueur, ça rien. Ce joueur-là, il a une agressivité qu'il faut qu'il qu qu la garde, et c'est comme un Yekindar, c'est comme un tu vois, ces mecs-là. Euh, Blamef, tu peux pas lui dire arrête de bait, c'est sa force. James, tu peux pas lui dire euh, arrête d'être au fond de la map, c'est sa force. Device, tu peux pas lui, tu vois. Device, il y a des gens qui aimeraient qu'il soit plus agressif, par exemple. vous, il est pas agressif, tu lui dis ah, vas-y, bah, sois un chien fou et tout machin. Des fois, ça paye, ah, mais des... on aime quand il fait, mais s'il le fait et qu'il se fait punir, on va pas aimer, tu vois, ça, ça de vous. Et pour donc, c'est pour moi, c'est la même chose. Tu vois, là déjà il montre un peu plus de passivité Là, là tu vois en deux rounds il s'est fait punir euh, Normalement à une 40 le mec il était au fond du mid Là il est une 10 et tu vois bien qu'il est au niveau des stairs Donc il a quand même reculé Là ça décale Il ça, y, 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 y a de la guerre en A Sa première intention c'était de décaler le palace et de décaler la rampe Là regarde Une 5 Regarde à une 5 On entend une flash qui pop Une autre flash qui pop. Il, il regarde, Il se retourne il se retourne instantanément, c'est instinctif, il veut aller à la guerre. Il veut aller à la guerre. Boom, palace, y'a rien. Là, il est déjà en crosser placement sur la rampe. Y'a rien. J'attends les flash picks et hop, je redécale. Et il fait moins 1 Et il fait moins 1 Voilà, il fait moins 1 Blamef, il aurait pas fait moins 1 Rops, il aurait pas fait moins 1 Nico, il aurait pas fait moins 1 Parce que c'est des mecs qui attendent les deuxièmes, les troisièmes lignes Même Rops, qui est le meilleur fixe au monde, Magis qui est le meilleur fixe au monde, c'est des mecs qui attendent les deuxièmes, les troisièmes duels Les premières lignes, faut qu'il y ait des gens qui les prennent Eh ben regarde donc, il vient de faire moins 1 Voilà, il donne l'avantage numérique 4v3. Voilà. Là, il donne l'avantage numérique 4v3 et il y retourne. Voilà, hop, et il donne un autre avantage. Et maintenant, il se dit qu'il y a un petit lurker. Voilà, et maintenant, il sent Maintenant, il sent qu'il y a un lurker, il a l'info, il a l'info que le mec est derrière. Qu'est-ce qu'il fait première intention Je vais chercher mon AK, je vais vider les poches de tout le monde, je vais sur les cadavres, je ramasse des molos. Hein, tu vois, as bien vu là, il a mis un coup d'épaule sur la mollo. Tu crois que le mec, il est pas aware Il prend des décisions en l'espace de une demi seconde. Et là, il va rencontrer un contact devant lui. Ah oh Il est pas discipliné là. Parce que là, il y a quelqu'un dans son équipe qui lui dit "Là, tu dis oh, putain, non mais shit, il, il sait qu'il est là. C'est pas possible. Oui, il sait qu'il est là. Moi, je vais t'expliquer pourquoi il fait ça. Regarde. Là, tu te dis, il va décaler le couteau en main. Oh pourquoi, pourquoi il prend son AK Il shit, il a un wallack Non. C'est juste que je t'explique. On va compter. On va juste compter, d'accord Regarde. Last Middle On atteint l'AK. On atteint l'AK, d'accord Last Middle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Il peut être devant toi, gros, il est plus mid. Hein. C'est le haut niveau, frérot. On connaît les rotations. On connaît, les temps. on connaît les temps, de rota, on sait quand est-ce qu'un mec il est plus là, est-ce qu'il a pu aller b, et... gaffe de, aussi kitchen, il, là il peut, là le mec du b il a eu 10 secondes, c'est 10 secondes de passer du top mid à la rampe et c'est 10 secondes de, ton, de passer du top mid à la kitchen b quoi, enfin pas à la kitchen b mais à la part b, tu vois donc si t'es kitchen tu pu avoir un contact à part b, si t'es underpass tu peux avoir un contact, si t'es window tu peux avoir un contact underpass, c'est comme ça en fait, Il y, y a des trucs qui s'expliquent. Et très logiquement Et là encore tu as vu Il lui a baisé sa mère hein. air placement Merci au revoir Pourquoi il check en haut Et pas en bas aussi Ah ouais, d'accord Si tu veux encore une explication Ça j'ai déjà fait des tutos dessus hein. euh... Brooklyn merci pour le sub Ah ben là on l'entend carrément Là on l'entend en retard En fait Écoutez bien le son là Ah vous l'entendez là Donc là, on le sound. Donc là, carrément, il le sound. Et on entend du carrelage. On n'entend pas du sable. Donc déjà, il regarde en haut et pas en bas. Là, il regarde en bas, en fait. Il sait qu'il n'est pas en bas. Donc il dit Ok, je reprends ma ligne en haut. Et quand bien même il n'aurait pas entendu, comme je t'ai dit, il y a les 10 secondes de rota, 10, 12 secondes de rota, tu sais que le mec peut être là maintenant. Et en plus, il regarde en haut parce que c'est plus facile de flic vers le bas que de flic vers le haut. D'accord Avec ta souris, tu as une meilleure. T'as une meilleure motion de précision quand tu descends comme ça, avec ta souris si t'es comme ça, ou avec le bras, c'est plus facile de descendre que de, que de, que de monter. Donc tu, tu prends toujours le point le plus haut pour fliquer vers le bas. C'est toujours ça sur CS. Et, lui, et il le voit, et il lui pète sa gueule. Voilà. Donc là, on vide la rampe. Il a une AK. Là, il va aller faire la guerre middle. Voilà, il prend une HE. Il se fait un peu éteindre, histoire de le punir un peu. Il est dans la smoke, il s'en bat les couilles. Ah, il a mis un petit wall au gars. Oi oi, oi. un HP. Un HP, euh, il reste dans le connector le monsieur. C'est un malade. Ça sort en rat, il les entend. Il va à la guerre. <laughs> il a vu. Il a vu un, a vu un pixel AK. Il sait qu'il est mort là. Donc là, il faut qu'il prenne un décal. Et il prend un décal. Ah tu vois. Là, il sait qu'il est mort. Là, il sait qu'il est mort, regarde. Là, il veut prendre un duel en contre-temps. Là, il a vu. Oh, T'imagines le temps de réaction là Regarde. T'imagines là le temps de réaction Regarde. Là, il a tourné. Là, regarde, il y a son œil en, en périphérie qui le voit. Oh putain, vous voyez pas Euh. Y a ma cam, y a ma cam. Ah, regardez, 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 regardez maintenant. Vous voyez là Attendez les gars. Regardez. Là, il veut aller à la guerre. Il change la ligne, hop. Et là, il le voit là sur le côté. Regardez, il le voit sauter. Boum headshot, instant. Il le rate. Mais tu vois déjà que là, c'est pas pour rigoler là. Maintenant, il a été vu. En fait, le problème, c'est qu'il l'a il, il vu, il a été vu, et il a tiré, donc il a dévoilé son info. D'accord Parce que même s'il avait un HP, tu peux surprendre, en fait. Mais là, l'effet de surprise, il est fini. Donc là, il sait qu'il est mort. Donc maintenant, faut il faut qu'il fasse une décale large, et qu'il envoie un headshot. Et là, ça se sent. Parce que sur ces décales, on voit maintenant, pas qu'il est hésitant, mais qu'il a vraiment envie de prendre beaucoup de vitesse. Regarde. Je décalais, j'ai pas pris de, de duel. J'ai décalé, j'ai pas pris de duel. Là, j'attends, j'attends, j'attends. Grosse décale, deux balles. Là, maintenant. Grosse décale. Il faut pas se chier dessus, là. Là, il sait qu'il est stairs, il est mort. Il faut qu'il fasse le plus de dégâts possible avant, avant sa chute. Il a réussi à prendre un mec. C là, c'est plus que de l'intuition. Là, là c'est de l'intelligence de jeu. C'est du sang-froid. Là, c'est du gros niveau, là, je te le dis. Hein. À ce niveau-là, avoir cette confiance, c'est du délire. Hein. Et on parle de son âge. Hein. Enfin, faut parler de son âge. Allez et là on va faire la guerre middle On a une petite M4 Voilà Voilà Pff. Il a pris une petite flash pick Mais vas-y il s'est fait Il, il, il s'est fait rafaler Rain Et merci au revoir Voilà Et regarde Regarde Regardez tous ces mouvements sont pas sont faits exprès regarde. Hop il saute Là il saute pour aller checker un peu la part au cas où tu vois Et là il cross placement quand même Et il vide il se remet un peu en sécurité et là hop, première intention décale large il se fait péter la gueule mais première intention décale d'aller tuer aucune peur il a aucune peur lui il te décale et, et, et il va aller à la guerre ça c'est ce qu'on aime hein. c'est pour ça que c'est pour ça que c'est un phénomène hein. c'est pour ça que les gens l'adorent et c'est pour ça que que, que que vraiment il y a beaucoup de gens qui apprécient regarder ce joueur là c'est parce que sa première intention c'est d'aller tuer des gens. Hein. D'accord Et ses smokes, elles sont pixels, ses flash, elles sont pixels, ses mollo sont pixels, ses mouvements sont pixels. Donc, en termes de palette de Counter-Strike, il sait gérer le jeu. Hein, je pense même qu'il manque peut-être de l'intelligence, euh, tu vois, de la lecture, ce que vous voulez et tout, pour jouer genre vraiment malin, avoir le bon positionnement. Mais c'est surtout que dans son intention de duel, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Et ça, c'est le CS qu'on aime. Ça, c'est le CS qu'on aime, ça. Regarde, il est toujours en plein milieu à vouloir se battre. Là, il met une grenade. Voilà. Je sais pas qui c'est à l'heure qui m'a dit ouais il devrait peut-être euh, tu disais rigueur discipline je pense que tu voulais faire plutôt allusion au fait de de jouer passif et agressif bah là il montre un peu là il montre un peu de, de passivité tu vois il y a 10-10. c'est peut-être aussi très risqué à 10-10 d'aller prendre le risque de, de taper le mid tout seul donc là peut-être que il a perdu ses couilles mais il joue plus safe tu vois tu vois d'habitude à l'heure on l'a vu on l'a vu faire l'essuie glace entre le top mid et le bas mid, pour aller checker l'under, le top mid, l'under, le, le top mid, là on voit bien qu'il est mollo en main, en sécurité, pour, 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 bloquer, pour bloquer sa zone. On voit bien que là, l'intensité du round, c'est 10-10, c'est 10-10, c'est à Katowice, c'est plus pareil que quand il y avait tout à l'heure un peu moins de pression, d'accord voilà. Et là c'est Kalashnikov Et on voit qu'il recule On voit que dans son intensité il recule Et là boum il bloque Regarde la bagarre La bagarre Là il y a, y a de l'info en A Regarde Hop Qu'est-ce qu'on fait On saute Je te mollo t'inquiète Attends je te prends la rampe J'ai vu un mec rampe Il se fait mollo Et là il entend middle Et hop première intention Bagarre sur la speed B Parce que c'est un fake Ce joueur est... est très beau à regarder jouer Très très beau à regarder jouer. Il, il spray dans toutes les smokes. Parce que j'ai vu aussi des gens dire Wow les kills qu'il met dans les smokes Mais non, regarde, on est en POV. On l'a vu tirer 9 fois dans les smokes. Je me rappelle du, du kill smoke qu'il a fait en A. Euh, quand c'était le side terreau, Mais depuis, il en a pas fait. Et pourtant, tous les rounds, on le voit tirer dans les smokes. Donc aussi, de dire qu'il shit parce qu'il fait des kills dans les smokes. Alors que 9 sprays sur 10, il tue personne. Il a toujours l'intention de faire la guerre en fait. Et, et il préchote. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, t'as les, les, as, as les billes de. Tu, tu vois un peu à travers les smokes. Tu sais si t'as touché. T'as le son aussi. C'est euh, une mécanique. C'est un nouveau joueur en fait. C'est un nouveau joueur. Et c'est un joueur qui réfléchit avec le nouveau CS. Je pense que l'esprit, on en verra de beaucoup plus. Avant, ça servait à rien de dans les smokes. Là, maintenant, t'as limite une info. Plus le tagging, il est plus important. Est-ce qu'il check à droite Oh la dinguerie. Oh bah là il shit par contre. Là il a une clé USB, le couze. Pourquoi il check à droite là Là j'ai pas d'explication. Là les gars, là là je veux bien, mais là j'ai pas d'explication. Là le frère il abuse. Les infos du B, ouais peut-être son pote il lui dit ah hey, gros ça a pu passer électrique. Et là, on change, on change un peu de rythme. Lui, il change un peu de positionnement. Il joue pas le connector. Il sait que c'est la guerre là au niveau du, du A. Bah, du mid, pardon. Voilà, il, il prend, il décale. Tranquillement, quoi. C'est. Il est bien. Exactement, Margoulin. À son, à son, à son âge, tu sens que sa première intention, c'est quand même d'aller à la guerre, de vider les espaces. Vous vous rendez compte comment il fait du bien à son équipe ou pas Regarde, il reprend la jungle, il reprend la window, il clear l'underpass et il clear le mid. Et ça, pour vous, pour vous, vous vous dites c'est une dinguerie Tu vois, pour vous, vous vous dites c'est rien, Samalek, t'es un malade Moi, je le fais ça. Ouais, mais toi, tu le fais en matchmaking avec tes 2000 délos et ton niveau de pingouin, frère. To, toi tu le fais alors que t'as le niveau de, de ma testicule Tu vois Lui il le fait à Katowice face à FaZe Il reprend une zone qui est perdue Regardez le radar Tout le mid est vidé On est en infériorité numérique 3v4 Peut y avoir un mec boosté dans la window Peut y avoir des lurkers dans le connector Il peut y avoir en fait des mecs qui ont été déposés Ça existe en fait À ce niveau là ça existe C'est même fréquent en fait Il s'en bat les couilles une 10 Oh les gars, vous attendez pas, je vais vous vider le mid. Rien under. Rien middle. Je saute encore under au cas où. Attends, je te check un peu le A. Allez en B les gars. Maxer le B. Hein. Moi je suis bien en A, les frères. Maxer le B les gars. Ah, ça vient en B. J'arrive. Je te mets une flash support. Petite mollo. Non. Attention bagarre. Voilà, Ishiro qui assure. Merci, au revoir. Là, il a servi à rien du round, vous croyez Il fait pas un kill, mais vous croyez qu'il a servi à rien du round Moi, je vous le dis, un mec à 1 minute 10, qui prend ses... son courage à deux mains, et qui me vide la jungle, qui me vide la window, qui me vide le mid, et qui me libère de l'information pour me dire, ouais, il y a rien middle, les gars. Ouais, il y a rien A, mais les gars aussi. Et que comme ça, Shiro, il est focus sur son B comme jamais, tu permets à Shiro de pas avoir le doute qu'il y a un mec derrière lui. Bah, t'es plus concentré sur ton BPB, quoi. C'est ça, en fait, qu'il faut vous signifier. À ce niveau-là, c'est aussi ça qui est important. Et là, ça se voit que, avec, de par son rôle, de par son activité sur la carte, il libère quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace, beaucoup d'informations, au-delà du fait qu'il gagne des duels. Et là, il a pété la gueule de tout le monde, il est déjà à 20 et quelques kills, 1,70 de rating. Hein. Je crois, là, sur cette game, il fait du 26-12. Euh, il arrache tout le monde. Et ce qu'il faut c'est surtout voir son intention. Voilà, ouais, regardez. On prend, on se moque. Petite grenade et on décale dedans. Voilà, on crosse. Il s'en va les couilles. Hein. Là regardez tout de suite, il, il y va avec beaucoup plus d'agressivité dans le mythe que les 2-3 derniers rounds. Parce que 10-10 et 12-10, c'est pas pareil. 12-10 si tu perds tu dis j'ai encore un round de sécurité. Une grenade. Allez, petit. Allez, on prend là. Voilà. Alors là, il fait un kill. Euh, tant mieux pour lui. Là, il sait qu'il y a des mecs à gauche et des mecs à droite. Alors, il recheck à gauche. Pourquoi il recheck à gauche Pourquoi il recheck à, à gauche et pas à droite Là, il a deux zones de danger. Et regardez, je vais vous expliquer encore une chose, très importante. Que moi, pour le coup, euh, je me, moi je suis très mal à l'aise dans ces positions. Quand tu es pris entre deux feux et que tu sais pas trop quoi faire. Regardez bien. Regardez bien. 5v5. Il fait un kill dans le mid. Donc il sait qu'il y a des informations middle. Chopper fait le kill en A. Chopper meurt. Chopper regardez, il meurt et il sait qu'il y a deux mecs en A. Donc là maintenant, donc on lui dit il y a deux mecs en A, deux mecs en A, deux mecs en A. Sauf que pour passer de la rampe, regardez bien parce qu'ils sont dans le pit, pour passer de la rampe à la jungle, regardez bien le radar. Pour passer de là à là, que ce soit un réel danger, que ce soit une réelle menace pour qu'il meure, il a 5 secondes de sécurité. 1 2 3, 4, 5. Ouais, 5 si les mecs, c'est des animaux. Ouais. Si les mecs, ils font de là à là, couteau en main, en Y sur un T-Max, sur l'autoroute du, du Counter-Strike, il leur faut 4 secondes pour arriver. 4-5 secondes. S'ils se chient un peu dessus, qu'ils doivent check un peu les bails, c'est 6-7 secondes. Et si clairement, c'est des baiters et tout, ils vont peut-être mettre 8-9 secondes. Donc pendant 8 secondes, il va focus sa gauche et pas sa droite. Donc là, il reload, il a pas peur. Regardez, regardez, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, maintenant, il y va. Voilà. Ils ont mis combien de temps, Rops, pour revenir Il a mis combien de temps Il a mis 7 secondes. Ouais, il a mis 7, 8 secondes. Ça, il le sait, en fait. Moi, j'arrive à l'expliquer, là, comme ça. Mais même moi, quand je joue, ces 7 secondes me terrifient. Ces 7 secondes me font peur. Alors que j'ai dix fois votre niveau, votre, votre l'expérience, euh, euh, et que c'est vraiment des calculs que moi, j'ai déjà fait il y a des années et des années et des années de ça, en fait. Mais c'est là où vous comprenez le pourquoi du comment euh, euh, dans cette situation. Il fait le kill, il reload, euh, il s'en bat les couilles de la droite, il va violer encore une fois reine La reine je suis reine je rage. Là, je rage. Mais pourquoi il regarde Connector, frère Vous avez fait des kills en A Pourquoi il vous joue pas en A Tu vois, vous, vous connaissez ce truc-là, là ? De bait lui, en fait, il regarde. Non, vous avez bien vu que lui, il est serein, frère. Il prend une petite flash, il se remet en sécurité. Il a entendu un petit pas au-dessus de lui. Robs le tue. Merci, au revoir. Et là, c'est terminé, voilà, parce que euh... parce que Brocky va perdre le 1v1 et donc c'est 13 à 10. 13 à 10, victoire de, de, de Spirit. Avec euh, donc, il fait un 21-15. Euh, voilà, il fait un 21-15. Et euh, sur ses morts, allez il est mort une ou deux fois euh, parce qu'il est un peu trop gourmand, etc. Il est mort quand même deux ou trois fois en passant devant en étant revenge, il est mort deux ou trois fois quand il était en écho Glock, en écho Deagle, etc., en terreau. Il fait un side CT, il arrache tout le monde. Il fait un side terreau, il arrache tout le monde. Donc, euh, le mec est extraordinaire et c'est ce qu'il faut vraiment que vous vous mettiez en tête. Bon, si vous en voulez plus, les gars, abonnez-vous surtout. C'est surtout ça qu'il faut.